Bonjour Emilien, a-t-il été éliminé ou pas? Alors, chose assez incroyable, c'est que d'habitude, quand je balance une info comme ça, vous avez des messages du style non, non, il est toujours là, ou bien t'as raison, il a été éliminé. Et là, rien du tout, rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a eu 10 émissions qui ont été tournées avec des candidats, avec du public, etc. Et rien, pas un seul message pour confirmer ou pas le fait qu'Emilien ait été éliminé. Donc, bon. Pour moi, il est éliminé, d'accord? Bon. Ah, par contre, alors il faut savoir que moi, j'étais allé au studio la semaine dernière pour essayer de voir si c'était vrai ou pas. Et j'étais tombé sur un mec avec une petite valise à l'entrée, et chose qui était assez rigolote. Donc le mec, je lui dis, ah bon, alors vous avez fait 12 coups de midi? Et pas du tout, le mec avait fait N'oubliez pas les paroles. Donc c'était marrant parce que le même jour où il tournait les 12 coups de midi, il y avait N'oubliez pas les paroles. Un mec avait été éliminé, il repartait avec sa petite valise. Et ensuite, j'avais vu un mec de la Sécu et je lui avais posé la question à savoir si Emilien avait, était toujours dans le jeu. Et le mec m'avait dit, j'ai pas le droit de le dire. Et ça, le fait que le mec me dise, j'ai pas le droit de le dire, ça voulait dire quelque chose. Voilà, pour moi, ça voulait dire, c'est bon, il est éliminé. Parce que bon, d'habitude, quand tu poses la question, le mec te dit, oui, il n'y a pas de problème, pourquoi? Point barre. Là, c'est, j'ai pas le droit de le dire, donc voilà. Bon, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bon, pour moi, il a été éliminé. Et comme vous savez, il est arrivé au mois de septembre. Donc il est resté plus de 7 mois dans les 12 coups de midi. Donc j'imagine que bon, de se retrouver du jour au lendemain, le mec qui passe plus à la télé, bon bah on va encore parler de lui pendant 2-3 mois encore dans les médias, mais lui, pour l'instant, eh bien, il est chez lui, avec ses petits chevaux et puis sa petite chérie, etc., en train de ranger tous les cadeaux qu'il a gagnés. Et j'imagine qu'il est suivi par un psychologue, hein, justement, pour pas qu'il pète un boulard. Parce que bon, j'imagine que 7 mois avec Jean-Luc Reichmann, non pas que ça soit difficile, mais d'être une star pendant 7 mois, et puis du jour au lendemain, redescendre. Donc voilà, bon. Donc bon, pour l'instant, comme je l'ai dit, hein, je suis sûr à 95% qu'il a été éliminé. Mais chose assez rigolote, c'est que sur les réseaux sociaux, eh bien, les personnes qui ont assisté aux émissions sont plutôt discrets. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.